Sabotage, détruire une tour radio utilisée par les entreprises Marteau. On va faire ça, ouais. Hop, 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 avant ça. Il y a du blabla. Mademoiselle, I noticed something about these lamplighters Locke speaks of. Yes. I noticed that they're all dead. Yes. Ça marche, repose-toi bien, Giano. Merci d'être passé. And I am thinking that perhaps Bon courage we pour ta stick with this semaine. lock, that perhaps the two of us will be dead soon as well. Tiens, je t'enverrai des. Je te montrerai un peu ce que j'ai fait au niveau de la base de données. Comme je t'ai dit, que je te tiendrai au courant. C'est dimanche demain? Oui, mais de dimanche, je stream pas, moi. Donc, bon courage pour votre semaine dès que vous partez. Mais oui, pas de profiter de ton dimanche, effectivement. The thought did occur to me. Perhaps we should think about an exit strategy. Just the two of us. We can We started in this together, so it seems only fitting that we should leave it together, if it comes to that. Indeed. So a pact? Exactly that. If things begin to turn bleak, one of us gives the other a sign. And we make for a rendezvous on the other side of the island, where we've hidden money and supplies. You are a woman after my own heart, mademoiselle. So, you saw court soldiers materialize out of nothingness. Then Project Crossroads is real after all. You want to explain what that means, boss? For almost a year, my informants in Marteau Industries have brought me rumors of a top-secret project whose goal is to move an object, or a person, across the world in mere moments. They plan to achieve this by taking a shortcut through an alternate plane of existence. Though which plane exactly, no one can say. I've never had concrete proof of Project Crossroads' existence. Not until now. Ben on n'est pas dans la merde. On a nos agents. C'est parti. Nous avons dégoté une piste sur l'emplacement d'une des tours radio utilisées par Marteau. Mes agents sont partis à détruire. Le repérage de ces tours radio est un travail lent et minutieux. Il n'est pas facile dans ce monde moderne d'isoler un signal au milieu du bruit. Mais cela en vaut la peine. En détruisant leurs moyens de communication, nous désorganiserons les opérations régionales de Marteau et nous gagnerons du temps pour mettre mon plan à exécution. Alors j'ai vu que Marteau avait une progression de zéro pour le moment, mais bon, c'est pas grave. Oula, oula, ouais, tout doux, hein. Type de mission, sabotage. Un peu plus loin se trouve la cible que les agents sont ici pour saboter. Détruisez-la en ciblant et en détruisant les générateurs qui l'entourent. Les générateurs intègrent un protocole de défense qui s'active lorsqu'ils subissent des dégâts, mais ce protocole a besoin de temps pour se recharger. Étouffez ce protocole dans l'œuf en détruisant chaque générateur avant la fin du rechargement. Le puits sans l'humidité à la terre, comme la mousse, sur un tronc coupé. A souvenir. Les flacons pharmaceutiques s'entrechoquent à l'intérieur de la caisse. L'étiquette à l'extérieur indique qu'il s'agit de sédatifs à destination d'un avant-poste de Nicastro. Lesser unquiet spirits, lightly tethered to our plane. Thralls are only dangerous in numbers. Yay! C'est quoi encore ce truc-là? Esprit tourmenté inférieur, faiblement relié à notre plan. Les ligues ne sont dangereux que s'ils sont nombreux.
Vulnérabilité au feu, immunisé contre l'électrocution, immunisé au néant. Compétence griffe galvanisée. Chargé des vestiges électriques d'une vie qui a depuis longtemps pris fin, le toucher du lich inflige des dégâts d'électrocution et applique électrocution. Ok, donc pas les laisser t'approcher. Honnêtement, c'est moins pénible que les rouges. Le seul problème, c'est qu'on a que dalle comme, comme couverture ici. Anna, tu vas te mettre là. Eddie. See if we can cause a little trouble. Quand même en grillant, ce serait dommage de pas en profiter. Pas l'impression qu'ils aient l'intention de se griller dessus. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut... Parce que le jeu était pas clair là-dessus et du coup j'ai pas fait gaffe. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'ai détruit les trucs dans 5 tours ou sinon la mission échoue? Ou est-ce que ça va juste faire spawner des gens supplémentaires? J'aurais pu commencer par ça. We have righteousness on our side. I have the area covered. Ah, dommage. J'espérais que le tir de couverture ferait l'affaire. Eh, c'est pas beaucoup. Ingrid. Stoink. Stoink. Pain will be over soon. Stoink.
Ok, il en reste deux. Reloading. Recharge ton pied. Il y en a un que j'ai oublié là-bas. Keep up the fight. Et de 1. Parfait. To go and make things unpleasant. More guards incoming. Deux snipers, ça va. Toi, t'es aveuglé. On va faire un déplacement gratos là-bas. Et c'est tout parce qu'on s'est raté. Hop, tu sprint, histoire de combler le vide. J'aime bien leur look. Time to make ourselves scarce. I'm good at this. Pauvre. Attention, darling, just ask. You just worry about yourself. You hear? Oh, on est dans la zone d'explosion. Un petit instant. Elle va jusqu'où? Elle va jusque là, d'accord. Run for the hills, boys!
Celui-ci devrait être mort. Ouais. Keep going. We can feed them. Ou pas. Alors j'espère que ça va me coûter que 2 PA ça, je suis pas sûr. Ouais, parfait. Oh, on a une seconde chance là-bas. I'll take point. Pardon. Alors, tu vas prendre les bandages. Et tu vas soigner Ellie. If you cannot stand, let me help you stand. Oh, you won. All right, let's go. Fragment d'armes préfracture. À l'origine des fossiles épées de conception sumérienne ancienne. Malgré l'état de détérioration avancée des armes, les premiers tests en laboratoire sont extrêmement encourageants. Études plus poussées requises. Another card. J'aime bien les bouts de craquer. Non, la suite est là-bas, sauf qu'on a carrément bypass une partie de la zone. Ok, la zone optionnelle, ok, cool. On va se faire ça. Et on récupère... Non, fais pas ça. C'est bon, c'est bon. Groupé, soyez sage, venez. C'est bon. Alors, on a d'autres zombies. Ah, on a un paquet de trucs. Ballotage dans l'élection pour la présidence allemande. Ouais. Dans les années 30. Ça va être tellement fun pour vous, les gars. Vous allez voir, vous allez adorer. Wait for me. What's that? This always works. Except when it don't. Well, howdy. En plus, ça a pas du tout marché comme je voulais.
Hop, le sniper est à terre. Keep on like this, and the noble houses will be ruined in no time. Un petit peu à couvert, toi, quand même. Ici, pareil, et hop. Non ? Ah oui, il y avait 3 points. Bon, c'est un peu du gâchis, du coup, mais c'est pas grave. J'allais dire cool, on va pouvoir utiliser le spécial du pistolero, mais on l'a plus. On a des grenades. Je pense qu'on va utiliser des grenades. Ah, c'est une grenade à décharge, oups. Je crois que c'était une grenade simple. Put them down. You took your eye off the prize. Remember my face. It will be the last thing you see. Walk it off, soldier. Oh, disons que je suis content d'avoir remis le moins 38 points, le moins 38% de dégâts, hein. Il y a beaucoup trop d'ennemis. Ah, t'inquiète, regarde. Hop, on va réduire un peu tout ça. Mais il y en a au moins 2.
ça c'est une option. Ça aussi. Le plus dangereux, ça va être lui. 37 points de dommage. Je fais combien déjà avec Ingrid? Tu fais 37 à 53. Ça doit le faire. Lui est décédé. Ce serait bien que je m'occupe de toi, mais il y a aussi les zonzons qui sont préoccupants. Ok, il me reste un PA que je vais utiliser pour me mettre à l'abri. Tu vois, c'est pareil, il te reste un PA et pas mal de santé. Mais il y a peu de chances que tu l'aies. Hop. Cool. Un agent craque sous l'effet du stress. Le combat laisse des traces. Sur le champ de bataille, tout le monde, agent comme ennemi, accumule du stress pendant le combat. Après avoir craqué sous l'effet du stress, les agents disposent d'un PA de moins lors de leur prochain tour. Et à la fin de la mission, la carte blanche distribuera une carte de rupture. Oh. Need a second. This should cause some trouble. Well, this is going to be noisy. Come on, go check it out. You know you wanna. Mm-hmm.
sleep well. End of the line, lamplighter! Ah, c'est mieux. Il y en a moins. Sophia, tu as filé un point aux deux. Tu vas aussi donner de l'inspiration à machin. Qui a 3 PA maintenant, qui va coller une balle dans chacun des adversaires visibles. Voilà. Qui va recharger. Et faire son tir unique sur lui pour 91 pour 119 points de dégâts. Boum. Toi t'as 3 PA. Oh, il y en a un petit peu plus qui reste. Ok. Mais c'est cool. Ça c'est fait. Du coup je peux même venir ici. Et je pense que je pourrais attaquer. Il me reste un PA. Alors je sais pas si l'aveuglement va fonctionner. Not so fast. Mais ça, ça va. Hop, toi t'es foutu. Sophia. Mets-toi en soutien derrière. Et surveillance. Sur cet angle. Ingrid, je veux que tu te mettes... ici pour le moment. Évidemment que t'as raté ton tir. Ok, ça fera l'affaire. Ça devrait faire l'affaire. Eddie. Aveuglé, tu vas en profiter pour te mettre là et esquiver la prochaine attaque. 75% je crois en toi, tu rates pas. C'est bon, bien joué. On va prendre une attaque. Ça va, c'est pas énorme.
You can help us with this. C'est Ingrid le perso principal de l'histoire? Non, il y en a pas. C'est ton premier, c'est le premier perso que tu débloques. Mais les trois premières persos que t'as, c'est Ingrid, Eddie et le mec que j'envoie toujours tout seul de son côté. Tu diriges vraiment une équipe. Quarante-cinq seulement. Ça pourrait être pire. Ok, c'est bon. Après, Ingrid, c'est facilement un de mes persos les plus pétés. Ouais. Cette équipe est très très chouette. Alors, on a une clé en fer et une grenade à fragmentation. Presque tout ce qui reste de cette ruine a été entièrement rasé, hormis quelques rares piliers. Bah, si tu veux, Ingrid, quand elle se bat au corps à corps et qu'elle tue un ennemi, elle récupère un point d'action. Donc si je blesse suffisamment de personnes, d'ennemis, je peux enchaîner les adversaires jusqu'à la fin du tour. Don't wander. I'll take this. Not bad. I'll take it. No time to waste. Renseignement. Si je vois un masque funéraire d'un culte de mort inconnu aux alentours de 1322, aucune propriété exotérique, devrait valoir un bon prix auprès d'un collectionneur, mais n'a aucune valeur directe pour notre cause. Oh, de l'éther. Ça, c'est cool. Et second souffle que j'ai looté comme un idiot. Quoique... Ouais, non, ce second souffle me rend pas ma capacité spéciale. Ok. Faut que j'y pense sérieusement. Et par contre, ça devrait. Divine Mother, grant me your healing miracle. Ouais. All right, let's go. Je crois qu'il n'y a plus d'ennemis. Et même s'il y en a, c'est un dernier combat, ça va. Sur la photographie qui occupe toute la page, Trace Marteau est appuyé contre une voiture de sport, Marteau Motors. Il est entouré de starlets d'Hollywood et le sol est tapissé de billets de $20. J'ai bâti mon empire en me fondant sur une évidence. Nous avons tous le droit d'être heureux et devons saisir le bonheur quand il se présente. Et évidemment. Au fait, le fait que... C'est peut-être moi qui surinterprète, hein. Mais le fait qu'il y ait un ballot pour vote allemand ici,
C'est pas de la manipulation. Enfin, les ballots, c'est pas censé être resté très. On va dire très. Très dans le bureau de vote. Et pas genre se balader dans la forêt. Les ruines sont couvertes de lianes épaisses, leurs feuilles sont anormalement larges et vigoureuses. Hormis aux endroits où les déplacements du cercle les ont réduites en lambeaux et où la sève s'est répandue sur les pierres. Oh bah c'est plus grand que ce que je pensais. Yay! Wait for me. Alors, toi tu vas te mettre là. Eddie, tu vas te mettre là. J'ai dit toi tu te mets là et Ingrid tu te mets là-bas et voyons voir alors on a un zonzon, on a deux cacs, on doit avoir quelqu'un d'autre, non c'est tout, oh, c'est pas beaucoup. Ça vaut peut-être même le coup de... De juste enclencher la fusillade. Parfait. Come on out now. Buffalo Bill, eat your heart out. Hop, fais attention à l'eau. Is everyone okay? Bon, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que tout ça, ça disparaisse. What do we have here? Une photographie de Trace Marteau qui se tient debout sur le dos d'un ouvrier allongé qui affiche un sourire forcé. Deux hommes ne peuvent franchir la même porte en même temps. Quelqu'un doit passer en premier, et si ce n'est pas vous, ce ne sera... Et si ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Tu vois, on... C'est vite tombé dans ce genre de truc. Sans surprise. Hop, récupérer le dernier loot. Et voilà, mission terminée. Done. Time to go. And that should put the court in a tizzy.
At least for a little while. Hop, 6 points de compétence. Et nos deux cartes, les compagnons et le seuil. En utilisant des compétences d'amélioration, cet agent a 25% de chance de bénéficier d'une réduction des temps de recharge de compétences. Compétences d'amélioration. C'est ce que tu utilises, toi, non? Grenade inflige 10 points de dégâts et brise 2 points d'armure dans la zone ciblée. Une utilisation par mission, zone d'effet égale 2. It is no accident that we have met each other. Et voilà. This will be of use. L'agent a trouvé une livraison au point de rendez-vous. Parfait. Ça aurait pu être pire. Mr. Locke, what exactly happened to the old lamplighters? No. Don't ask that. Why not? May 1914. Calcutta. I remember that it was raining. That was when I first started to suspect something was wrong. This is why. Settle in. We were ambushed just as a monsoon swept over us. Hot rain, dust and shadows, punctuated by flashes of light. The court knew we were coming. But how? We had taken all our usual precautions. It could only be betrayal. It could only be betrayal. But there were only 5 of us who even knew of our operation. And one was Greymore himself. So the lamplighters were betrayed by one of their own? I'm afraid so. Each of us suspected the other. And Greymore no longer trusted any of us. But that was just the beginning. Don't forget the bit about the cards. Yeah. After Calcutta, the cards began to wane. They looked blurred or misprinted. And our fates became murky as well. Do you know who betrayed you? No. And I never will. All the others are dead. Captain? Something from the cellar. Please. Ah, le vieux couple, toi. Ils se connaissent par cœur. You're a very sweet girl, Anna Sophia. Thank you, I think. How does a sweet girl like you know how to pick locks? Oh, well, you see, first, the sisters kept the linen closet locked, but I took cold at night. I just needed another blanket. And then Señor Rincón in the nearby town collapsed with a stroke. The door to his home was locked. You saved a man's life by picking his lock. Yes. After that, I kept practicing. A very sweet girl. But not too sweet, at least. So, where do you come from, Mr. Sawyer? Nowhere you ever heard of. See a lot of action in the war? Did my share. Il est causant, hein? So you're the talkative type? I guess. Smart. Fella can't be too careful who he lets in, am I right? You said it. And when you run around with a criminal element, who knows where loose lips can get you? I'm sure you've seen it happen. Oh, sure. I remember this one time in Abilene. One of my crew. And late. Mm-hmm. You bet your eyes real pretty, slugger. But you ain't that good. All right, Mr. Sawyer. I like a man who knows what not to say. Ils sont chouettes.
Oula, c'est quoi ça? Trace Marteau supervise personnellement cette mission. Ouais, sauf que Marteau, il a 0, donc c'est pas vraiment ce qui va m'intéresser. Oh, tu peux voir la progression, j'avais pas vu. Ok, d'accord, donc c'est à ça que tu vois. Bon, très bien. Et ça, c'est quoi? Mission de recrutement? Oh! Watch your back. Eh ben, on fera ça. On va aussi se mettre les points de compétence, puisqu'on est sur l'écran qui va bien. Voilà. Et pour le reste, on verra la prochaine fois.